Donc je vais vous présenter maintenant la manette Atari 2600 que j'ai rendue compatible au système MVGS. Alors, voilà la manette Atari 2600. Donc, comme on peut se rendre compte ici, il y a une prise HD15 au lieu du câble d'origine. Voilà, donc nous allons tester tout ça. Alors pour ce faire, j'enlève le petit capuchon là. Je vais brancher d'abord le cordon universel au Multivideo Games. Voilà. De l'autre côté, donc, j'enlève le petit capuchon plastique et je vais brancher le cordon universel comme ceci. Voilà, une fois fait, on pose tout comme ça. Voilà, maintenant, d'abord, on va aller voir comment fonctionne la manette Atari 2600. Donc, nous allons dans panneau de configuration, dans contrôleur de jeu, voilà, dans propriété. Voilà, alors regardez, je fais haut, donc à haut, bas, voilà, gauche, droite, voilà, et le bouton est affecté au bouton 1 de la manette. Nous allons quitter maintenant le menu test. Voilà. Maintenant, nous allons lancer le menu du Multivideo Game System. Voilà. Bonjour et bienvenue sur la page d'accueil du système MVGS. Choisissez maintenant votre console de jeu. Donc, on va sélectionner l'émulateur Atari 2600. Atari 2600. Okay. On va le lancer et on va faire le test sur le jeu Space Invader, comme je possède l'original ici. Voilà, on lance. Hop, c'est parti. Voilà, comme on peut s'en rendre compte, tout fonctionne très bien. Voilà, donc maintenant on se rend compte que la manette Atari 2600 est bien compatible au système MVGS.